Petit. Qui est petit ici? C'est toi mon petit ici. C'est toi mon petit. C'est toi mon petit ici. Ah, je suis pas ton petit. C'est comment? Mets le micro. Mets le micro. Tu veux montrer quoi que tu as travaillé? Mec, l'argent des fidèles. Mon petit, ouvre-moi le parking. Ça, c'est quoi? Tu es un parvenu, hein? Tu es vraiment un parvenu, hein, vraiment. J'ai jamais vu ta catégorie là. Tu es vraiment un parvenu, quoi. Hein? Tu es vraiment un parvenu. Tu comprends? Faut amener ça au ciel. Hein? Dieu ne t'a pas monté le parking. Jésus-Christ ne t'a pas monté le parking là où tu vas garder là. Lorsque tu vas parquer la Range Rover là, au paradis. On t'a pas dit lorsque tu vas parquer ça. Ingongol. Mais c'est son micro. Il n'a pas de micro. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Regardez la chose. La maison est même vide. Il n'y a rien dans la maison même. Non, là, on est parking. Qui lui a mis tous les trucs, les salons dehors pour son live de demain. Là, c'est le parking. Là, c'est juste le parking, mon petit. Là, c'est le parking. Donc, comme Kim y a son direct demain, avec sa vente privée de 24 heures, on a mis tout le salon dehors. Ça, c'est le salon. Ça, c'est une partie. Ça, c'est le deuxième salon. On a mis le deuxième salon dehors. Et tout ça, c'est le parking. Voilà. Qui prend exactement trois véhicules. Bah, dis-moi où t'as gagné la voiture, la deuxième voiture. Bon, voilà. Donc, attends, t'as mon petit. Voilà. Ça, c'est la deuxième voiture. Ça, c'est la voiture pour la secrétaire. C'est ce qu'elle utilise pour faire ses courses. Voilà. Donc, mon petit. La question que j'aimerais te poser, la Range Rover, elle a changé ou pas? Mignon, tu as changé la peinture, hein? Tu as changé la peinture. Tu viens me dire, c'est là que tu as la voiture, tu as changé la peinture, hein? Tu connaissais l'ancienne coupe, non? Quand tu regardes la nouvelle coupe, c'est la même chose. Tu connais voiture. Tu connais voiture, tu connais l'ancien modèle. Et tu connais le nouveau modèle, mon petit. Tu connais. Tu es vraiment malheureux, hein? L'argent que tu as volé, non, tu sais l'argent que tu as volé. Là. Je t'apporte la preuve. J'étais apporté là, maintenant on va à ma piscine. Bella, on peut faire toi à la piscine, s'il te plaît. Bella, est-ce qu'on peut faire toi à la piscine? Est-ce que Jésus-Christ t'a dit là où est-ce que tu vas mettre la piscine là au paradis là-bas? Il y a une place. Bella, tu veux voir la piscine ou pas? Ou je vais te loger quand tu vas arriver en vacances après avoir donné ta vie à Jésus? Ouf! On va allumer ici là. Qui est là-bas? Allez allumer ici. Allume l'autre. Voilà. Voilà, on vient. Vraiment, hein, quand on est malheureux dans la life, quand on est malheureux, quand on est parvenu, avec l'argent qu'on a passé toute la vie à voler aux fidèles, les prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Fais aussi une prophétie dans ma vie, je vois comment ça va se réaliser. Dis-moi une prophétie, comme ça, je vois comment tu ça va se réaliser. Tu as le sida, tu as besoin de faire ton test pour que je te ne me parle pas comme ça, hein. Ne me parle pas comme ça, je n'ai pas cette maladie. Je n'ai pas cette maladie, ne me parle pas comme ça. C'est comme ça que tu vas parler, on va commencer à parler de ça on appelle ça même comment. Mais le gars, il m'embrouille la tête. Annabella est atteinte du sida, il a besoin d'une délivrance. C'est ta dernière chance de donner ta vie à Jésus. Même si tu ne crois pas. Regarde le vendu, regarde le vendu, regarde. Regarde quelqu'un, on a vendu aux enchères depuis, regarde. Il est là debout, parce que c'est la marchandise alors que tu es au sol. Tu es au sol, mon frère, tu es au sol. Jésus veut changer ta vie. Anna, Jésus veut changer ta vie. Tout ce que tu es en train de raconter, j'ai tel problème. La famille de ta maman t'a vendu à un sacrifice. Aujourd'hui là, tu as besoin de ta délivrance. Et c'est Jésus qui est le fondement. Qu'est-ce que tu enseignes de ma vie? Tu enseignes quoi de ma vie? Qui t'a raconté ma vie? Qui t'a raconté ma vie? Tu connais ma vie? Tu as fini de me parler. Ce que j'ai dit est vrai ou faux? C'est faux! Pourquoi tu dis alors qui m'a parlé de ta vie? Pardon, qui t'a parlé de ma vie? Tu peux répéter le nom que tu as dit? Il s'appelle Jésus. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui veut te donner une seconde chance. C'est lui qui veut te prendre. Regarde aujourd'hui, toutes tes cordes sont sorties, toutes tes os sont en train de sortir. Tu as vu mon corps? Tu m'as apaisé. Tu connais mon corps? Tu n'as plus la joie. Là, aujourd'hui, tu étais gros lorsque tu es là. Tu étais gros. Nous deux là, nous ne sommes pas les éternels minces. C'est pas le couscous et la jamais ou bien la tchéké qu'on appelle là qui te fait gonfler le ventre là. Mon petit. Tu baisses même, tu fais même l'amour. Depuis que ta femme est partie là. Depuis que ta femme est partie, tu sens encore l'amour. Tu sens encore l'amour. Mon fils, je vais parler au général. Aujourd'hui, Anna, tu as la seconde chance de ta vie de sortir du PDA. Jésus veut changer ton histoire. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Mets tes esprits de fantôme là, va dire que je les mets le doigt au cul. Toi qui l'as livré en sacrifice, je maudis ton existence dans le nom puissant de Jésus. N'importe quoi. Dis amen. Dis le cul. Ton micro, je ne t'entends pas, ton micro. Avec les téléphones à dormir debout, est-ce qu'il a du iPhone? Non, c'est l'iPhone 15, ce sont des modérateurs qui couperaient, je commence à prier pour qu'il coupe. Modérateur, ne coupez pas la voix, c'est un monsieur que je respecte bien, même s'il est salaud. Mais ne le coupez pas. C'est un monsieur, c'est un blogueur. Le connais-tu? Bon, tout à l'heure, tu as dit, il n'a pas la voiture. Bon, la voiture est sortie. Il n'a pas le garage est sorti. La piscine est sortie. Tu veux quoi encore? Demain, ce soir, les 24 heures de vente de Kim, il y a parti de 15 heures d'Abidjan.
toujours en train de manger l'argent derrière sa fille. Elle vend des produits cosmétiques les meilleurs. Anna, elle vend les make-up dernière génération. Et alors? Aux États-Unis d'Amérique. Anna, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On va prendre le soin demain de suivre le live de Kimi parce qu'il y a beaucoup de révélations. Est-ce que tu connais le nouveau leader de TikTok? Il est aux États-Unis. C'est qui? Mika Paul, mon petit. Si je te le livre, si je te livre entre les mains de Mika Paul, tu es mort, lui va voyager ton âme. Mais pause publicitaire. Demain, à partir de 15 GMT, le live de Kimi pour ses 24 heures de vente. Annabella, je n'ai rien contre toi. Mais tu dois arrêter d'être la honte de l'Afrique. Il en fait chier. Tu n'as pas de conseil à me donner, dis donc, ferme ça. Le conseil que j'ai à te donner, c'est ça. Ta seule chance aujourd'hui, c'est Jésus. Si tu l'as compris, gloire à Dieu. Mais je te donne 24 heures. Dis-moi là, dis-moi toi-même. Tu es venu faire pourquoi? Tu es venu prier, tu es venu faire un conseil, tu es venu m'insulter, tu es venu faire quoi? Je te donne 24 heures pour faire un test de VIH. Ah, dis donc, fais chier. Dieu te bénisse. Fais chier. Ah, tu veux savoir si j'ai ça ou bien que je n'ai pas ça, hein? Ah, comme ça, si je n'ai pas ça, tes plans là de me baiser. Tu vas mettre tout ça là, c'est ça, non? Donc tu veux d'abord être sûr. Oh, je comprends. Je vais aller le faire pour toi, mon frère, parce que je suis quelqu'un de vérité. Je vais aller le faire pour toi. Je vais demander que je mette la caméra, on le fait là. Avant d'abord, je m'entends avec eux que non, tout ce qu'on va faire là. Voilà, je veux que. Donc je mets seulement la vidéo. Comme vous mettez l'aiguille, comme vous enlevez le sang, comme vous faites tout là. On filme jusqu'au dernier détail. Il ne suis pas là qu'on entre. C'est seulement que non, que c'est professionnel. Nous sommes aux États-Unis. Mais bon, on va voir. C'est pas tout le monde qui peut refuser. Comme ça, là, on va voir. Là, moi, un chien comme ça. Tu avais soif, hein. Tu as soif de moi, hein. Quand je ne te parle pas, quand je ne viens pas parler de toi sur le net, tu n'es pas content. Tu n'es pas content, il faut que je parle de toi. Il faut que je parle de toi. Je ne suis pas content, hein. Je suis pas content. Moi, j'avais fini avec toi depuis. J'avais fini avec toi depuis. Je sais, tu attendais ça. Tu attendais ça que je tombe. Pour que tu viennes verser ton vin. Tu attendais ça. Toi, tu attends toujours les moments où je tombe. Pour un pasteur. Je te déteste. Moi aussi, je te déteste, Mylène. Tu es cruel. Toi aussi, tu es cruel. J'ai vu un message d'amour dans ton téléphone s'adressant à MDMA. Mylène, Touliane, mon amour. Je t'aime également, JCMA. Quoi? Jean Clignotant, mon amour. Waouh! Faites résoudre même les problèmes des couples, Montagne. Une bière forte importée du Danemark.